Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 20 ans et je suis en mention complémentaire traiteur au CPROC. En mention complémentaire traiteur, on doit avoir au minimum un CAP ou un bac pro dans le métier culinaire. La mention complémentaire est composée de 2 semaines d'entreprise et 1 semaine de CFA. Donc dans notre formation, on a 2 jours de pratique et on a des cours de technologie, d'économie gestion, de PSE. J'ai choisi la formation en alternance pour pouvoir m'aider à mieux comprendre et apprendre notre métier. On apprend beaucoup plus sur le terrain que les cours. Comme d'autres écoles pourraient le faire. J'ai pu trouver mon entreprise parce qu'elle est près de chez moi, que je la connaissais. Voilà. Mais après, l'école nous aide aussi si on a du mal à trouver une entreprise. On a une relation assez liée avec nos professeurs, qui nous aident dans l'accompagnement de notre diplôme. On leur montre ce qu'on fait en entreprise et eux nous montrent ce qu'ils savent faire et comme ça on avance correctement. Avec le CPROC, on a la possibilité de faire des salons. J'ai pu avoir la chance de participer au CIRA. L'école, j'aime beaucoup parce que c'est très convivial. On est bien encadré, on est bien soutenu dans toutes nos démarches. Après la mention complémentaire traiteur, on peut faire le BP charcutier traiteur. Pour ma part, je vais aller en confiserie pour pouvoir englober tous les métiers, enfin presque tous les métiers de bouche pour pouvoir plus tard ouvrir mon entreprise et me développer et faire un maximum de choses fait main, fait maison.